Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo après quelques jours que j'ai pas posté. Voilà, pour ça je suis désolé. Mais voilà, on commence les nouvelles choses déjà là. Là, j'ai préparé une petite vidéo à quelques minutes pour ne pas laisser un long moment sans poster. Voilà. Je vais vous montrer ce que je fais là. J'ai fait une petite instru là que j'ai pas, je n'ai même pas encore fait l'arrangement là, vous voyez. Donc c'est juste une petite instrumentale là, afro, voilà. Alors pour le kick, je fais ceci. Voilà pour le kick, c'est ça. Après, j'ai ajouté ceci. Ça, c'est un autre kick, ça n'a pas d'importance. Voilà, ça, j'ai mis ça pour laisser le refrain. Voilà. Après, il y a ceci, il y a le ça, c'est un clap. Après, j'ai ajouté, si on écoute avec les kicks. Voilà. Après, j'ai ajouté, voilà, alors on passe les mélodies. Vous voyez là, j'ai utilisé Nexus. La Nexus, vous voyez, j'ai utilisé piano. J'ai utilisé Nexus Grand Piano Octave qui donne ceci. Et la note qui joue là, c'est note. C'est note là. C'est note. C'est note. Également, c'est note. C'est note. C'est note aussi. Et en fait, c'est note qui joue ceci. En fait, si vous voulez faire la même chose, c'est pas seulement que vous êtes obligé d'utiliser le même piano que ce que j'utilise. Vous pouvez utiliser même FL Cube, FL Studio, FL Studio, voilà. Après, j'ai utilisé encore Nexus. Et là, j'ai utilisé encore piano et le même preset. Nexus Grand Piano Octave, c'est le même preset. Je sais si j'ai joué un peu la mélodie de piano. Voilà, après j'ai rajouté encore Purity, Nexus, pardon, piano. J'ai utilisé Arena Ambiance, le premier piano là, qui donne ceci. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Par après, j'ai rajouté encore Purity. Et vous voyez là, dans Purity, j'ai utilisé Plug, j'ai utilisé Mute Guitar D qui donne ceci. Nexus encore. Voilà, synthétique brass. J'ai utilisé Analog Brass 3 qui joue ceci.
C'est ce que j'ai fait. Après, j'ai rajouté encore Purity. Et dans Purity, vous voyez la belle paire que j'utilisais, Brit Mallet, qui donne ceci. C'est ce que j'ai fait là. Après, j'ai rajouté une guitare basse qui joue ceci. Et en fait, là, j'utilisais la guitare basse d'Hypersonic. Vous descendez là sur synthé basse. C'est où? Voilà, c'est ça là des personnes, c'est ça. Et si on écoute, ça donne ceci. Ceci. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Par après, j'ai ajouté Flex, mais la Flex j'ai utilisé Flex Navigator qui donne ceci. Après, j'ai joué une petite mélodie de guitare. J'utilisais Arpidon, la guitare numéro 10 d'un électrique qui donne ceci. Après, j'ai ajouté un petit tome et des petits bois qui donnent ces tout qui donnent ceci. Voilà, les tomes, c'est ça. Ça donne ceci. Voilà, c'est tout là. J'ai ajouté des petites voix qui donnent ceci, des Nexus encore. Voilà la voix ici, j'ai utilisé VOAMS, les deuxièmes voix là, qui donnent ceci. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait là. Je n'ai pas trouvé le temps de faire l'arrangement.
Mais j'espère que vous avez vu ce que je fais là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ah, c'était Jazo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.